Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui là je suis en bas dans ma salle à manger et on se retrouve pour une vidéo unboxing avec la boutique Colorful DIY. Alors cette fois-ci chez Colorful DIY j'ai pris deux DP et j'ai pris un DIY Diamond Painting. Là, le DIY, bon, les trois ont été choisis par Chouchou, hein, comme d'habitude. Le DIY Diamond Painting, j'étais étonnée. Chouchou a dit, bah tiens, j'ai envie d'en faire, ça me changera un petit peu. Bon, d'accord. Alors, je vais me mettre, face table, au mieux que je peux. Pour que je puisse bien vous montrer ce que l'on a choisi. Alors voilà, je pense que vous devinez déjà un peu ce que ça peut être. Alors comme d'habitude, bien sûr, il y a le petit toolkit hein, avec le plateau, le stylet, le petit carré de glue. On va avoir des strass que je vais vous montrer en détail. Et on a, alors ça je vous l'explique après, des dessous de verre. Voilà. Alors en ce moment, Chouchou aime bien les gnomes. Et donc, il a choisi ces gnomes. Alors, ils sont tous différents, je crois. Alors, attendez, parce que je sais qu'il colle un tout petit peu. C'est normal, c'est tout neuf. Alors, si j'enlève le flash, ce sera peut-être... Oui, voilà, ça ira mieux. Ce sera moins flou, moins floutu. Mais bien sûr. Pourquoi pas? Alors, voilà le premier. Voilà le deuxième. Le troisième. Viens là, toi. Bon, il veut pas. Voilà. À l'endroit. Le quatrième. Le cinquième. Le sixième, là c'est une fille gnome. Alors j'en étais où? Au sixième, je crois, c'est ça, oui. Le septième. Et le dernier et huitième, le voici. Alors, ce sont des dessous de verre, ils sont en plastique, vous pouvez voir. Ils ont une jolie épaisseur hein, quand même. Voilà. Ils se plient pas, hein, ils sont bien bien solides. On va avoir comme ceci des ronds de liège. Alors ils seront autocollants. Je vais pas l'ouvrir trop, mais voilà. Et ça colle bien. Donc ça, une fois que lui est terminé, ou alors on peut le faire avant, hein, si on veut, on va le placer ici derrière, bien au milieu, pour empêcher que ça glisse sur la table. Voilà. Donc on en a 8. Hein. On a avec un petit support, voilà, en métal. Donc moi j'en avais déjà eu un hein, comme ça, vous voyez. Il m'en reste deux même à faire, il faudra que je les fasse. Donc voilà. Et bien sûr, on a des strass. Alors je vais ouvrir le sachet, ça va faire du bruit, je suis désolée.
aller. Voilà. Alors, je vais zoomer pour vous montrer les strass. Donc là, ce sont des blancs. Donc, ils sont tous de la même taille, normalement. Voilà. Ici, ils sont jaunes très, très pâles. Voilà. Les marrons. Orange, les verts, les jaunes, des demi-perles noires, et ici on a encore des blancs. Alors ça ne doit pas être les mêmes, je suppose. Ah oui, non, là sont un peu gris. Voilà, et là par contre, ce sont des blancs, des transparents. Donc voilà, je vous remonte. Alors au niveau de l'impression, vous voyez, c'est très très bien imprimé, donc il n'y a pas de souci. Et donc vous allez retrouver les là, il n'y a pas de légende, mais vous allez retrouver sur les sachets le numéro de la perle. Donc là c'est la A, là c'est la 8, la 7, la 6, etc. Voilà. Et donc ces chiffres-là, vous les retrouvez. Vous voyez. Ici. Ils sont très jolis. Les petites abeilles. Les petites fleurs. Non, ils sont très très beaux. Là, on en a où il y a des phrases, vous voyez, pas des phrases, mais des mots. Alors, c'est marqué au nez, donc c'est miel, je crois, si je me trompe pas. Miel ou abeille? Enfin, bon, je sais plus. Donc, voilà. Alors, ce lot de 8 dessous de verre est au prix de 14,99 $. Et dans ce prix, bien sûr, ça comprend les dessous de verre, le support, les dessous antidérapants et bien sûr les strass. Voilà, et le petit toolkit. On continue avec un premier DP. Alors, il va y avoir 22 couleurs. On a avec le petit toolkit, voilà. Et, pardon, on va avoir des perles en sachet zippé. Ben, écoutez, je crois que je peux vous les montrer à travers. Peut-être. Il y en a certaines qu'on voit pas. C'est dommage. Bon, c'est pas grave. Je vais les sortir. Voilà. Alors, le numéro de la couleur est noté par petites étiquettes. Voyez. Donc, des blanches. Bon, j'ai une petite perle qui se promène. Des grises. Prunes. Je vais peut-être remettre le flash là, on verra mieux. Oui. Des jaunes. J'ai fait salir mon doigt. Verte. Ah ben voilà. C'est ici que la petite perle s'est perdue. Allez, rentrez à la maison et toi, retourne chez toi. Hop, voilà. On va le fermer. Et rouge. Bleu,
Hein. Ont des jolies couleurs. Hein. Ah, celle-là aussi, elles vont se sauver. Ça arrive hein, des fois, c'est emballé vite. Allez, on rentre à la maison. Voilà. Donc. C'est pas blanc, c'est gris, très très pâle, très presque blanc. On arrive bientôt au bout. Et la dernière, c'est celle-ci. Voilà. Alors, tout ceci pour faire voilà. Un petit paysage avec des petits gnomes. Voilà. Donc, c'est un petit paysage de Noël. Alors, au milieu, ça ne se voit pas comme ça, mais sur la photo que je vais vous mettre, vous le verrez mieux, je pense, c'est un oiseau, un gros oiseau. L'oiseau est plus gros que les gnomes. Voilà. Très joli. Et je crois qu'il sera très, très beau. Voilà. Alors, ce... D'épée avec les gnomes, perle ronde 40-30 est à 4,99 $. Comme d'habitude, vous aurez pu voir que je vous mets les prix en euros à l'écran en même temps. Comme on me le demande des fois, maintenant je le mets d'office à chaque fois. Dernier d'épée, donc comme d'habitude, le kit au kit. Alors ici, on va avoir 23 couleurs. Elles sont en sachet zippé avec le petit diamant. Alors, je pense qu'ici, je peux vous les montrer sans les retirer. Non, enfin, il y en a une qui est cachée. Bon. Alors. Tant pis, on va déballer. Alors, je cherche le bout. Donc, hop, voilà, donc 23 couleurs. Il y en a une qui s'est échappée là. Alors, il y a différents bleus. Jaune, du rouge, encore du gris, toujours du gris, ici ça doit être du noir, oui, un jaune, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, mais bon.
Ça va aller avec les autres jaunes et le dernier, ce rouge bordeaux. Alors ça, ça va être pour faire ta-da-da, celui-ci, les M&M's. Il était trop rigolo. Il est trop chou. Donc celui-là, alors ils sont en train de faire du grand 8 ou je sais pas, mais bon, ils ont pas l'air rassurés. Bon, niveau impression, c'est comme toujours, hein, c'est toujours bien imprimé, il n'y a pas de problème. Niveau colle, de toute façon, ça colle bien. Non, ça change. Ils sont très bien. Alors, les M&M's en perles rondes, 40-30 cm. Ils sont au prix de 4,99 $. Et voilà pour aujourd'hui. Avec la boutique Colorful DIY, on a choisi les articles qui nous plaisaient et qui plaisent surtout à Chouchou. Moi aussi, ils me plaisent, hein, vous inquiétez pas. je remercie beaucoup la boutique Colorful DIY pour m'avoir permis de choisir de nouveaux articles. Je n'ai pas de code promo de mémoire, mais enfin, si j'en ai un, je vous rajoute comme d'habitude en barre d'infos avec le lien de la boutique et le lien des articles que je vous ai présentés. Vous aurez vu que je vous aurais remis les prix en dollars et en euros à l'écran. Là, bon, il livre assez rapidement aussi, hein, Colorful DIY. Bon, bien sûr, là, maintenant, on est mi-novembre. C'est vrai que si vous voulez acheter des DP ou même des broderies, enfin, n'importe quoi dans les boutiques que j'ai en partenariat, pensez à vous y prendre à l'avance si vous voulez en offrir à Noël. Parce que ben les délais seront quand même un peu plus longs, comme tous les ans, hein, c'est tout à fait normal. Ça va être surtout dû aux causes des transporteurs, de la poste, tout ça, qui vont être un peu débordés sur les colis. Donc, si vous voulez en acheter pour Noël, ben c'est maintenant qu'il faut passer vos commandes, si vous voulez les avoir sous le sapin. Voilà. Mais écoutez, moi, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous ferai... Alors, Chouchou va peut-être en commencer demain. Il est en train de terminer un DP, là. Il n'a plus que deux cases à faire. Donc, il commencera peut-être des dessous de verre demain, au plus tard, après-demain. Là, on en filmera pour vous montrer... ben, ce que ça donne et puis comment ils sont faits. Voilà, donc à suivre sur ces articles. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous.